Et je suis vraiment ravie aujourd'hui d'être ensemble avec Monsieur Son Excellence l'ambassadeur du Japon à l'hôpital régional de Ziguinchor pour voir la mise en œuvre de notre collaboration en soutien aux initiatives du gouvernement pour la prévention et réponse à la Covid. Donc nous venons de visiter l'aile pédiatrique et de voir que l'assistance et le soutien qui a été fourni grâce aux généreux dons du Japon et du gouvernement du Japon et du peuple japonais avec la mise en œuvre de notre soutien technique de l'UNICEF ensemble avec les partenaires ici a des résultats très concrets. Je suis venu pour visiter le centre hospitalier de Ziguinchor pour bien voir sur place notre collaboration avec l'UNICEF qui marche très bien. On réalise un projet au Sénégal incluant la région de Casamance. Ici, c'est un bon exemple de notre collaboration Japon, UNICEF et le Sénégal. Si aujourd'hui le taux de mortalité passe de 50% à 3%, ça, nous le devons d'abord au gouvernement du Sénégal, mais aussi à nos partenaires, notamment le Japon et l'UNICEF, qui sont toujours présents à côté de nous, à côté du Sénégal, pour accompagner.